Un bateau tahitien et il va traverser l'Atlantique. Alors regardez, il est quand même unique ce bateau. Bruno! Salut, ça va? Ah, vous êtes, je croyais que vous étiez levé à 8h, moi. Ah ouais, merde! Ah ouais, Aurélien dort, il est juste à côté. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Bon. Il est avec vous. Ouais, vers 3h du mat, ils sont passés là, ils m'ont réveillé. Ouais. Et puis après, il est là, quoi. Ah, bah c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, ton bateau, c'est quoi comme bateau? C'est un Pahi 31, un Waram. Un Waram. Un Waram, c'est l'architecte, quoi, James Waram. D'accord. Et le modèle, c'est Pahi 31. B-A-H-I 31. Il date de quelle année? Il a 35 ans, donc il D'accord. doit être de 85, un truc comme ça. D'accord. Ouais. Ah, il n'est pas tout jeune, hein. Ouais. Et il a quoi comme particularité? Ben, la grosse particularité des Waram, c'est le fait qu'ils tiennent par des poutres, qui sont saucissonnés par des boutes. D'accord. Tout, ça tient que par ça. Ah ouais, c'est excellent, ouais. Y compris le haubanage, quoi. D'accord. Eh oui. De façon à ce que tout reste souple. Incroyable, ah ouais, donc, c'est excellent. Il est comme ça, il n'y a pas de traction directe en fait. Tout est en souplesse. D'accord. Ah ouais. Et ce qui fait que du coup, le fait qu'il n'y a pas cette rigidité des cadavres habituels, fait que c'est quand même, pour retourner un Waram, il faut quand même en faire beaucoup, quoi. Ah ouais. Contrairement à des catamarans de luxe. Ouais, de luxe, qui eux sont tout rigides et si tu fais le con, tu te retournes. Moi, j'ai jamais entendu parler de Waram. Se retourner, quoi, ça n'existe pas. Alors après, c'est vrai qu'ils sont essentiellement dans les régions tropicales, ouais. Alizéennes, on va dire, c'est vrai qu'il y a moins de risques, mais enfin, l'Alizé dans l'océan Indien ou dans le Pacifique, hein, en allant sur la Nouvelle-Calédonie, tu peux te faire secouer, hein, méchamment. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Quand même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc là, tu as des étés, tu as quoi? T'as un génois. Ben, le génois, et puis moi j'ai rajouté pour essayer de tenir un peu mieux le mât un espèce de bas été intermédiaire. Ouais. Des baobans intermédiaires aussi, parce que j'ai pas de barre de flèche. D'accord. Comme le bateau, ouais, est penché. Ouais, ouais, effectivement. C'est pas utile, quoi. C'est, là, si tu veux, il a une position de comme un trépied en fait. Hein. Et donc les barres de flèche, soi-disant, ne se justifieraient pas. Bon. Donc, mais apparemment, c'est le cas. Parce que, on est venu jusque là et on n'est pas tombé, hein. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais en fait, c'est pas nécessairement dû au fait qu'il n'y a pas de barre de flèche. D'accord. Et voilà. Ça, c'est quoi ça, ici? Ça, c'était en fait, initialement, c'était des... Ce modèle, il a normalement des dérives. D'accord. Lesquelles dérives ont été enlevées par l'ancien propriétaire parce qu'on lui avait expliqué. Et c'est un peu vrai, la plupart des pays... Ben, les dérives, elles ont été enlevées, elles ont été retirées, condamnées. Et moi, je trouve que c'est une belle connerie parce que je pense que ça aurait servi quand on marche au pré ou au bon plein. Mais ben, voilà, moi, je les ai, les dérives, mais il m'a. J'ai pensé, pas mis. S'il les avait enlevées, c'est qu'il y avait une bonne raison de la non-utilité des dérives. Et je l'ai cru. D'accord. En réalité, il ne faut jamais croire les autres, il faut faire son expérience soi-même. Et moi, si c'était à refaire, je les mettrais évidemment. Et là, donc, pour le moment, c'est des trappes, quoi. D'accord. Voilà. Et là, c'est ton puits de chêne, alors? Ça, c'est mon magnifique puits de chêne. Ouais, ouais. Et oui, moi, j'ai pas de... c'est bien, tu t'emmerdes pas. J'ai pas de... Alors, du coup, ça fait que j'ai pas beaucoup, beaucoup de chêne. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, t'as combien de mètres, hein? Ouais, t'as là, pas grand-chose. Non, j'ai rien, là. Je dois avoir 10 mètres. Ah ouais. C'est de la chaîne de 10, hein, quand même. D'accord. Donc, ça plombe, quoi. Oui, et puis tu peux t'approcher très près du bord. Quoi, voilà, comme je peux me mettre dans 1m50 d'eau, même 50 cm, je peux pratiquement toucher. Ah, c'est bien, ça.
Donc du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de toute cette chaîne? Ben oui, si je n'ai pas d'autre choix que de mouiller dans 10-15 mètres, là par contre je vais être un peu limite. Là. D'accord. Et là tu as deux cabines alors. Enfin, tu as une cabine ici, voilà. Et la cabine là-bas. C'est ça. Avec la cuisine. La cabine avec la table à cartes et la cabine avec, une kitchenette. Une kitchenette et puis il y a une toilette chimique là-bas au fond. Une toilette chimique là-bas et puis une autre couchette où on est au rangement là. D'accord. Voilà. Et prêt à traverser l'Atlantique? Ben là, ouais, ben on a rien fait depuis qu'on est arrivé, hein, parce qu'il n'y a rien à faire. Ouais, c'est bien. A priori. C'est une petite merdouille, mais ouais. On n'a rien cassé, nous. Ouais, moi j'ai tout cassé. Mais... ben, là, pour le moment, tout a l'air de. C'est bien. Tout a l'air de fonctionner. Il y a des petits réglages du bas, parce que ça se détend, les cordages, ils ont une élasticité. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il faut les reprendre. Faut reprendre un petit peu la gloire. C'est tout. C'est sympa. A priori, c'est tout. Ouais, moins t'as d'emmerde, mieux c'est. Bon. Après, c'est trop compliqué. T'es pas nécessairement à l'abri de quelque chose. Hein. Ça, c'est normal. Ouais. Mais voilà, a priori, tout est à poste. Là. Il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est ton tangon, là? Alors, ça, c'était l'ancien tangon parce que c'était un mât en bois initialement. D'accord. Tout était en bois, en fait. Ah oui. Et j'hésitais à l'emmener avec moi. Et finalement, j'ai dit, waouh, ouais, quand même, ouais. On va faire du vent arrière. Mais oui. Il me faut un truc, quoi. Donc, comme il était là, j'ai dit, bah allez. Il est en bois, hein, c'est pas ouais, ouais. Il faudrait que je renforce d'ailleurs. Tiens. Et donc j'ai essayé de bidouiller un accrochage là au niveau du mât. Et puis ça marche. D'accord. Ça marche, donc pareil, hein, tout simple. Il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de machin. Il s'enquille juste dans le point d'écoute, quoi. Ah ouais. Je le mets dans l'œil d'écoute et puis ça va très bien. Ça tient. Super. Il m'en faudra peut-être un second si je me mets les voiles en ciseaux, mais voilà. Donc là-bas, tu as ta table, bon, tu l'enlèves, tu la remets quand il faut, voilà. La table du quand on est à quai ou au village. Ouais. Alors ouais. Le taux, c'est un taux, c'est pas un taux fait pour les tropiques, hein. Il faudrait un truc plastifié pour pouvoir récupérer l'eau le cas échéant, quoi. Là, c'est vraiment le soleil. D'accord. Et donc, quand tu arrives en Martinique, tu vas le mettre avant. Et ouais, je pense que je vais le mettre Ouais, parce que ça fait longtemps que tu navigues. Je vais le mettre moi j'ai navigué pas mal, ouais, pas sur celui-là nécessairement. Mais là, bon, je commence à en avoir un petit peu. Ouais. Je me fais mon dernier truc, c'était l'objectif. Ouais, t'as fait plusieurs fois là, t'as traversé plusieurs fois là. Quelques fois, ouais. Ouais. Donc là, l'idée c'était de le faire une dernière fois, quoi. Et puis bon. Et puis ça ira comme ça. Ouais. Alors, c'est autre chose. Il fallait que je le fasse. Ça c'était, on va dire, psychologique. Et quand ça sera fait, ben voilà quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est comme beaucoup, hein. Il y a des gens qui passent 40 ans de leur vie à avoir un rêve et qui le concrétisent souvent à la retraite. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais je voulais faire une dernière petite balade avant de me calmer, quoi. Peut-être avec les brebis et les vaches. Ce qui est très bien aussi, hein. Ouais. Jean-Louis Etienne, qui est tardé comme moi, il est très content de rentrer chez lui. Oui, c'est sûr, ça change, c'est ça différent. Ça le ressource, il voit de la verdure. Absolument. Ça lui fait du bien. Ah, il faut les deux. Ben oui, c'est pas la mer, c'est pas une fin en soi non plus. Bien sûr. C'est pas incompatible, la montagne et la mer. Mm-hmm. Voilà. Bon, ça marche. Mm-hmm. Bon, bon vent alors. Eh ouais. Ben, toi aussi. Ouais. Ouais, alors, je suis à Porto del Carmen pour aller faire une petite plongée en bouteille. Alors tous les clubs de plongée sont dans cette rue là et ils sont tous fermés comme il y a plus de tourisme malheureusement. On va plonger, on est que deux, moi et l'instructeur. Bon, alors pour moi c'est super, mais malheureusement pour eux c'est un peu difficile. Regardez-moi cette vue magnifique. Oh, chef, une étoile de merde, hein.
On arrive sur la Graciosa et ça bouge un petit peu, c'est bien, agréable, on avance bien.